Au poste de péage frontalier de Ango Ango où il débute sa mission, le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction Léopold Mbadou s'imprègne du déroulement des activités journalières sur ce site. Et ce, dans l'objectif d'avoir la maîtrise de ce qui s'est fait réellement par les agents commis à ces postes par le gouvernement provincial du Congo central via la DGRKC. C'est depuis la prise de notre fonction que nous avions été instruits par son excellence monsieur le gouverneur de province pouvoir visiter les infrastructures de la province, nous rendre compte de leur état. Aujourd'hui, c'est le tour de péage qui sont dans la périphérie de la ville. C'était de mon devoir que je vienne visiter les infrastructures de péage qui rentrent sous l'autorité de notre portefeuille. Et là, donc, j'ai vu ce que j'ai vu. Je ferai donc le rapport pour pouvoir proposer des changements par rapport aux infrastructures qui servent de péage. Après Ango Ango, le numéro 1 des ITPR s'est également rendu au pont maréchal Mobutu Sese Seko pour la même mission. Il s'est de noter que dans l'agenda du patron des ITPR Congo Central, il est également prévu la visite d'autres postes de péage sous gestion du gouvernement provincial.